Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui je vous montre une petite rythmique à jouer au doigt à la main droite avec bien sûr un feeling bluesy et également un petit effet percussif du meilleur effet. La grille d'accord est très simple, on est en la mineure donc on va commencer par l'accord de la mineure. Deux mesures, ensuite l'accord du quatrième degré, le ré mineur. Une mesure, à nouveau une mesure de la mineure. Et puis ensuite, deux temps sur l'accord du 5e degré mineur 7, mi mineur 7. Le ré mineur 7. Le 4e degré qui se résout sur l'accord du 1er degré. Alors la rythmique va nous donner ceci au ralenti. Alors je vais d'abord commencer par bloquer la basse avec le pouce côté main gauche et à jouer cette même basse avec le pouce côté main droite. Je la joue deux fois, ensuite je vais faire un petit barré avec le quatrième doigt ou troisième doigt comme vous le sentez. Et ça c'est suivi par un coup de percussif à la main droite sur les six cordes. Ensuite une ghost note. Et puis je vais faire un petit barré avec l'index et je vais légèrement tordre les cordes. Si vous arrivez déjà à faire ça, vous avez fait le plus dur. Ensuite, je vais rajouter un petit effet claquant que je vais venir jouer avec le majeur de la main droite, mais si vous préférez le faire avec l'index, ça marcherait très très bien. L'idée, c'est vraiment de faire claquer les cordes aiguës. Et ensuite, on va avoir à nouveau un coup de percussif. Et vous avez peut-être remarqué que tous les coups percussifs main droite intervenaient sur les temps 2 et 4. Et ensuite, un élément de relance. Donc, on va faire cette rythmique deux fois, puisqu'on reste deux mesures sur l'accord de la mineure. Ensuite, on va passer en ré, donc exactement la même forme, le même schéma à la dixième case. Pour faciliter le déplacement main gauche, je vais enlever la toute dernière note, que vous avez vu qu'on terminait par cet élément-là. Mais comme on va avoir le démanché, eh bien j'enlève la dernière note, donc je n'ai plus d'effet de hammer. Bah, ça, c'est une règle que vous pouvez utiliser dans plein de cas de figure. Dès lors que vous avez un déplacement à faire, le plus important, c'est bien sûr d'arriver sur le temps, bien en place. Donc vous pouvez parfaitement enlever une note, on n'y verra que du feu. Donc là, vous avez vu, j'ai fait l'enchaînement 4e degré, 5e degré, donc ré mineur, la mineur. À présent, ça se resserre au niveau du rythme harmonique. On va avoir l'accord du 5e degré, mi mineur 7. Donc la technique est exactement la même. On a déjà la basse. Ensuite, l'accord qui est joué avec les autres doigts de la main droite. Le coup percussif, et puis ensuite la ghost note, et puis à nouveau l'accord. La même chose sur l'accord de ré mineur 7. Et on termine ensuite sur l'accord du premier degré, donc l'accord de la mineure.
Un dernier conseil, les amis, avant de nous dire au revoir, je vous invite à vous focaliser en premier lieu sur la mise en place. Et puis, côté main droite, il n'est pas impossible que de temps en temps, vous alliez toucher une corde voisine. Ça fait partie de l'exercice et dans ce cas-là, étouffez toutes les autres cordes dès lors qu'elles ne sont pas sollicitées dans le discours musical. Comme d'hab, je vous invite à aller soutenir la chaîne en allant sur le Tipeee pour récupérer cette partition au format PDF et Guitar Pro 8. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures avec mes guitares. Ciao, les amis.